Bonjour, que Dieu vous bénisse. Ici au Canada, c'est la fête des mères. Et je vais parler aux femmes bénies. Aux femmes bénies de Dieu. Oui, les femmes qui n'ont jamais abandonné. Les femmes qui se sont occupées des enfants qui n'étaient même pas à eux. Les femmes qui se sont sacrifiées. L'enfant n'est pas à toi. L'enfant est à ta sœur. L'enfant est à ton frère. L'enfant est à quelqu'un d'autre. Souvent même, ils ont adopté l'enfant. OK? Ils ont leurs enfants, mais ils ont aussi adopté les autres enfants. Ce sont des mères vraiment à féliciter. Il n'y a pas de mots. Je ne sais pas ce que je peux dire à ces femmes battantes. Ces femmes bénies. Ces femmes qui ont un bon cœur. Ces femmes que l'argent ne peut pas payer, que l'argent ne peut pas racheter. Ces bonnes femmes qui ont pris les enfants des autres, qui ont aimé les enfants des autres plus que eux-mêmes leurs enfants, qui se sont occupées, qui ont laissé leurs enfants diminuer la nourriture de leurs enfants pour s'occuper des enfants des autres, qui ont partagé leur pain avec d'autres enfants. Je parle à ces femmes-là. Vous êtes bénies. OK? Je vais vous lire une parole. Hébreux 6, verset 10 dit: Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. C'est pour vous cette parole-là. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Oui. Il y a des gens, il y a des femmes bénies de Dieu là. Ils ont vu les enfants. Ils ont aimé comme Dieu les a aimés. Ils se sont occupés d'eux. Ces femmes-là sont à féliciter. Ces femmes-là sont à honorer. Ces femmes-là sont à célébrer. Aujourd'hui, c'est votre fête. C'est votre fête. Et Dieu reconnaît l'amour que vous avez eu envers les enfants qui n'étaient pas vos enfants. Ceux que vous vous êtes privés de la nourriture, vous avez diminué votre pain pour vous occuper d'eux là. Dieu se rappelle de vous. C'est pour cela qu'il vous bénit. Dieu n'est pas ingrat. OK? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. À cause de Dieu là, les enfants, vous avez aimé. OK? Moi, j'ai 6 enfants. Je suis maman de 6 enfants. J'ai 2 petits-fils. OK? Donc, je sais de quoi je parle quand je parle des mères. Je suis maman aussi. Donc, je vais parler aussi des autres. Des mamans. Des mamans.